Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Iska Dog Éducation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la communication avec mon toutou. Je suis en train de leur casser les oreilles et c'est ça qui est bon. Peace out. Alors, je vais vous faire des exemples avec le timbre de voix différent. Par exemple, là, je regarde donc Iska et je vais lui dire, par exemple, des choses méchantes, mais avec une voix gentille. T'es pas belle, ma fifi, hein? T'es pas belle, ma fifi? Mais qu'est-ce qu'elle est moche! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche! Mais qu'est-ce qu'il est moche, ce petit chien, hein? Il est moche, ce petit chien. Il est moche. Et qu'est-ce qu'elle est pas gentille. Qu'est-ce qu'elle est pas gentille. Et regardez, là, je vais changer de voix, mais je vais dire des choses gentilles. Iska, t'es belle. T'es belle, t'es un gentil chien. T'es un gentil chien. T'es belle. Tu es un amour de chien. Oui. Qu'est-ce que t'es moche? Qu'est-ce que t'es moche? Oh là là, qu'est-ce que t'es moche, ma fifi? Vous avez vu la différence? Voilà, donc le timbre de voix, l'intonation de voix joue énormément, messieurs, dames, énormément, comme vous pouvez le voir. Du coup, ça vaut aussi pour les ordres. Iska monte. Iska descend. Descend. Allez, descend. Elle comprend rien. Allez, viens, ma fille. Descends, ma fille. Vous avez vu la différence? Allez, monte. Ouais, c'est bien. Descends. Descends, Iska. Vous voulez voir un truc surprenant, mais surprenant? Le glow-up de la coupe de cheveux. Le glow-up? Ah ouais, non, mais rien à voir. Hein. C'est quoi un glow-up? Mais ça fait au moins 2 mois qu'ils m'ont pas vu. Donc ils savent pas que pendant 2 mois c'était la dépression et que j'ai laissé pousser mes cheveux pendant 2 mois. Ah ouais, non mais... Et ouais, ils savent pas. Dis comme tout toi, hein. Oh là là, quelle beauté. Quelle beauté. Qui dit reprise des vidéos dit aussi reprise des balades. Et ben, quand on a plus l'habitude, les grosses montées, y'a plus le cardio, macho. Ouais, hein. Croisement entre la race humaine et la race canidée. Bien le bonjour, messieurs dames. Bonjour, bonjour. Eh, lâche-moi. J'ai une sangsue collée à moi maintenant. Allez, du coup. Eh, Réa. Réa. Oui. Kiki. Elle est mon Kiki. Elle est mon Kiki. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Elle est de toute beauté. Attends. Petit moment pub de la vidéo pour vous dire qu'on a créé un TikTok Iska Dog Éducation. Vous avez le lien dans la description. Et honnêtement, ça cartonne. On fait des vidéos tous les jours. Au moins, si vous voulez être un petit peu actif en tant qu'abonné fidèle, et ben vous avez le TikTok. Et vous avez mon Instagram aussi, où je poste des stories tous les jours. Donc, c'est mon Instagram privé. Hein. Donc, c'est des stories sur ma life. Donc, il n'y a pas que du chien. Il y a de tout. Par contre, sur le TikTok, c'est que du toutou. Allez, let's go. Hein, c'est vrai. Oui, oui. Kiki, kiki. Kiki. Kiki! Kiki! Non! On fait jamais assez de bruit pendant les balades! Un autre croisement avec la race humaine, ma capot. Est-ce que tu es prête? Est-ce que vous êtes prêts, les chiens? Bonjour, bonjour, rassurez-vous.
Ouais. Bonjour, bonjour. Du coup, quand on croise des humains, j'utilise aussi la communication avec les toutous. Je leur dis doucement et je leur dis gentil, généralement, pour leur prévoir. Donc avec une voix douce et une voix calme, pas avec une voix toute excitée, pour justement leur prévenir de rester tranquille, de ne pas affoler tout le monde. Un autre croisement avec la race humaine. Iska, doucement, gentil. Bien le bonjour, messieurs, dames. Voilà, vous pouvez faire la bergère avec le bâton. Bien sûr. Bon après-midi. On tombe vraiment sur des gens gentils en ce moment. Les gens de bergère. Iska, rencontre avec un groupe d'humains. Du coup, avec Fred, on a appelé les doigts. Salut! Bien le bonjour! Les toutous, hasta luego! Hasta luego! Hasta luego! Allez! Bonjour mon loulou! Bonjour mon loulou! Bonjour mon loulou! Bonjour mon loulou! Donc, entraînez-vous, je cherchais le mot, j'allais dire améliorez-vous, entraînez-vous à la communication avec vos animaux. Que ce soit un chien, 10 chiens, 15 chiens, c'est pareil. Vous voyez, cette bête qui est magnifique, qui est ma fille, comprend en fait selon mon humeur, selon mon ton de voix, vraiment ce que je veux. Je peux lui parler, je peux lui dire exactement tout ce que je veux. Elle comprend mon humeur quand elle est triste. Quand je suis triste, elle est triste. Quand je suis heureux, elle est heureuse. Elle comprend tout. Par exemple, si je dis chocolat, Iska, chocolat, t'es belle, chocolat. Vous voyez comment elle est perdue? Elle a l'impression qu'elle se fait engueuler. Iska, petit panier. Oui, qu'est-ce que t'es moche. Oui mon bébé, qu'est-ce que t'es moche. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Quel monstre. Maman. Oh j'adore. Maman la séance photo. Le langage corporel aussi. Utilisez vos mains. Dieu vous les a faites. C'est pour les utiliser mesdames et messieurs. Ne restez pas comme des arbres comme ça. Mon chien, il m'écoute pas. Bah, c'est normal, frérot. Active un peu, oh, tu as du sang, faut bouger. Oh. Regarde, par exemple, là, je vais utiliser mon doigt, Iska. Hop là, je lui montre la direction de là où je veux qu'elle aille. C'est simple, regardez. Je vais lui dire de monter là, mais sans parler. Sans parler, frérot. Oh, tu es sanguin. Iska. Le langage corporel. Oh, tu es pas un manchot. Active le sang. Voilà, mesdames et messieurs. C'était un petit tuto entre nous, hein, entre personnes éduquées et personnes adultes. Parce que j'en ai marre, en fait, des gens qui me posent tout le temps les mêmes questions et qui comprennent pas qu'un chien, c'est pas un simple chien. Un chien, c'est un être vivant. Il a un cœur, il a un cerveau, il a une âme. Il comprend tout ce que vous lui dites. Si vous, à longueur de journée, vous lui dites « T'es moche, t'es pas beau, et des claques sur le cul, et machin, et tout », le chien n'aura jamais envie de vous faire plaisir. Parlez-lui, soyez gentil avec lui, communiquez avec lui, c'est votre enfant. Faites comme si c'était un être humain, limite. Moi, ma chienne, c'est ma fille. Eh oui. Donc voilà, c'était le petit tuto du jour. J'espère que la vidéo
vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez la chanson. Et surtout, ça m'aide pour le référencement. Parce que les abonnés, les gars, vous êtes plus là. Vous êtes plus là. Donc c'est pour ça que je fais plus de vidéos. Je sors une vidéo, je fais 1000 vues, frérot. Il y a 2 ans, je sortais une vidéo, j'en faisais 100 000. Pourquoi? Alors là, c'est juste la passion, le passionné qui vous parle. Je fais une vidéo juste parce que j'ai envie de faire une vidéo. Mais je ne l'ai fait plus vraiment pour vous puisque vous êtes plus là. C'est con ça, hein. Bon, pour les fidèles, lâchez un petit commentaire. Hashtag Team Malinois, on est là, force à vous, RPZ. Et puis pour les autres qui en ont rien à foutre, et ben merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Et puis, hasta luego. Blank Beats Production.